Depuis sa construction, la cathédrale est l'un des grands symboles de Paris et de la France. Des grands événements religieux et politiques s'y sont déroulés, ce qui a fait dire à l'historien Michelet que le Notre-Dame à elle seule est un livre d'histoire. On ne peut bien sûr pour tous ces cités, ici il faudrait des pages et des pages, on ne peut citer quand même qu'elle n'était pas encore achevée à la fin du XIIIe siècle. On a mis près de deux siècles pour édifier le Notre-Dame de Paris. Sa construction fut lancée par l'évêque Maurice de Sully en 1163 et s'achèvera en 1345. La construction de Notre-Dame de Paris a été engagée sous le règne de Louis VII par l'évêque Maurice de Sully.